Comment éviter de se sentir enfermé dans une niche? Comment en sortir? Comment arriver aussi à recoller les différents éléments de ta vie, de votre vie, pour créer du contenu et créer aussi votre business tel que vous le voulez? Et bien, ça, c'est une grande question dont je vais essayer de vous donner quelques éléments de réflexion aujourd'hui dans cet épisode de Solopreneur. Vous savez, le podcast dans lequel je vous partage mes réflexions, mes coulisses, ce que je mets en place aussi pour créer la vie que je veux vivre, c'est-à-dire avoir un business à ma taille, ne pas avoir de salariés, ne pas avoir de gros projets, ne pas avoir d'équipe, mais travailler sur des sujets qui me passionnent, avec des personnes que je trouve géniales et intéressantes, que j'ai vraiment envie d'aider, et qui me permet d'avoir un équilibre de vie pour faire du sport, pour profiter de ma famille, pour avoir du temps, pour apprendre, apprendre de nouvelles compétences et nourrir ma curiosité. Et aujourd'hui, donc, dans cet épisode, je voulais vous parler d'une problématique que j'ai eue d'abord. Cette problématique, en fait, c'est celle de recoller un peu tous les morceaux de mon parcours. Je pense que c'est une problématique que vous pouvez avoir si vous êtes un peu multi. Et alors, quand je parle de multi, c'est un peu multi-tout, en fait. Avoir sentiment d'être un passionné par plein de sujets, d'avoir envie de découvrir plein de choses, de vouloir faire plein de choses, d'avoir du mal à vous décider de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le faire, d'avoir plein de compétences aussi, d'être un peu ce format, ce genre de personne couteau suisse, en fait. Le couteau suisse, il est excellent nulle part. Mais en fait, il est bon, il est excellent dans sa globalité. C'est parce qu'en fait, il est global qu'il est bon. Mais c'est vrai que le tournevis d'un couteau suisse ou le couteau d'un couteau suisse n'est pas le plus aiguisé de la boîte, probablement, enfin, quoique. Mais en tout cas, il rend bien service. Le problème en fait du couteau suisse, c'est que dans notre monde des réseaux sociaux, il a beaucoup de mal à trouver une place. C'est même quasiment impossible parce que tous les réseaux sociaux, en fait, ont instauré, puis le marketing l'a instauré, le concept de segmentation, de bulles, de thématiques, et donc de niches. Et donc, l'un des plus grands messages que vous entendez quand vous créez du contenu, c'est de vous dire qu'il faut absolument aller dans la niche, dans la niche, dans la niche, dans la niche. Et je veux dire que le monde est partagé, vraiment partagé, entre ceux qui ne jurent que par la niche et l'ultra-niche. Et hier, j'en parlais avec un préparateur mental, enfin, qui disait que même être préparateur mental dans le sport n'était pas une niche assez niché, qu'il fallait avoir une spécialisation encore plus profonde que ça. Et puis, de l'autre côté, des gens qui ne jurent que par le multi, par le global, etc., en disant que finalement, il y a des personnes pour qui être enfermé dans une niche, c'est vraiment un enfermement, et que, en fait, ce n'est pas possible de faire ça sur le long terme. Alors moi, j'ai oscillé entre les deux. J'ai oscillé entre je peux parler de tout, je peux tout faire, et puis je dois aller dans des niches. L'appel du marketing et de ce que j'ai testé m'a quand même amené à me mettre dans des niches à un moment donné et à créer en fait des projets, des canaux spécifiques à certaines thématiques. Par exemple, j'ai créé Km42, qui est un podcast sur la course, avait son propre site internet, le compte Instagram qui était relié, enfin, qui est mon compte Instagram personnel, sa page Facebook, sa chaîne YouTube, qui est une celle du Hamster Zoning Club. Et en même temps, à côté, j'avais mon propre projet Bertrand Soulier, j'ai aussi d'autres sites. J'ai eu votre coach web aussi, en nom de domaine, en nom de podcast, qui est l'ancien nom de ce podcast-là. Donc, son propre nom de domaine, son propre compte Twitter, son Instagram. Fin. Et la chaîne YouTube aurait pu avoir une chaîne YouTube Votre Coach Web, qui finalement, c'est ma chaîne YouTube personnelle Bertrand Soulier. Bon, ce point de départ étant ici, à un moment donné, j'ai trouvé quand même que je passais beaucoup plus de temps à gérer l'ensemble des choses et à essayer de faire des ponts entre les différents éléments, plutôt qu'en fait à faire ce qui était essentiel pour moi. Et là, je reviens sur la dimension entrepreneur. C'est-à-dire que la dimension créatrice était vraiment nourrie par ça, de dire « Oh, c'est cool, j'ai un blog là, j'ai un site là, je vais mettre à jour du contenu, je vais faire du contenu pour ça, je peux faire une vidéo. » Donc, j'en venais à faire du podcast tous les jours, à faire des vidéos tous les 2-3 jours, à envoyer des newsletters, avoir différentes cibles, avoir plein d'audiences différentes, etc. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, c'est quand même un peu compliqué.
Il y a 2-3 ans, j'ai rencontré Pierre Bron par le biais des réseaux sociaux. J'ai lu son livre remarquable, j'ai invité dans le podcast, j'ai participé à un de ses mastermind, on va dire, hein, sur plusieurs mois, sur la marque. Et en fait, dans la discussion, ce qui est ressorti, c'est que mon problème, c'est que en fait, j'avais beaucoup de marques qui étaient beaucoup séparées. Kilomètre 42, votre coach web, Bertrand Soulier, puis d'autres hein, qui se rajoutaient. Et l'idée, en fait, c'est de dire, est-ce qu'il y a un moyen de les rassembler? Est-ce qu'il y a un moyen de rassembler tout ça? C'est ce que j'ai commencé à faire. Or, ça a commencé 2022, 2023. Et puis là, bien sûr, il y a toujours la tentation de se dire, est-ce que c'était la bonne idée, la bonne décision, ou est-ce que finalement, je ne me suis pas planté? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je sois dans la niche de la niche de la niche? Vraiment, vraiment très niché. Et puis, dans ces réflexions-là, je suis tombé sur les contenus de Dan Ko. Alors, Ko, c'est K-O-E. Et Dan Ko, en fait, lui, il a un positionnement qui est de dire, plutôt que d'être dans une niche, même si finalement, il est quand même dans une niche, hein, attention, plutôt que de s'enfermer dans une niche, c'est considérer que la niche, c'est nous. En fait, on est notre super niche. Et qu'à partir du moment où on considère qu'on est notre super niche, on peut parler de tous les sujets parce que, en fait, ça fait partie de notre vie. Il donne un exemple, il dit lui, il parle de marketing, mais en fait, il n'est pas du tout illogique pour lui de parler de fitness et de remise en forme, de sport, parce que dans sa vie, il n'y a pas que le marketing, il doit vivre, il doit équilibrer son mode de vie, et que les gens à qui il parle sont dans sa même logique. Quelqu'un qui fait du marketing peut aussi courir, peut aussi faire de la musculation, a besoin de manger, etc. Et en fait, ça se défend, ça s'entend. Le problème, c'est comment relier tout ça. Il a une idée que je trouve très intéressante, qui m'a un peu illuminé, un peu sur mon chemin, et je vais vous la partager. C'est celle d'imaginer qu'en fait, notre histoire, c'est un livre. Et oui, vous savez qu'un livre, il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Un point A, un point B, et qu'il y a des chapitres pour progresser dans l'histoire. Donc on a un chapitre, on a une installation du héros, on va dire, vous. Alors vous faites partie à un moment où ça me semble le plus opportun. Ça, on peut en reparler après. Et puis, il va falloir partager une projection. C'est quoi votre vie rêvée? Où vous voulez aller? Alors c'est le moment de ressortir en fait votre vision board, votre tableau de visualisation, là où vous voulez aller, etc. Moi, j'ai souvent partagé cette idée-là d'être un champion du monde de mon monde, d'être un vieillard galopant, d'être un surfeur aussi, un vieux surfeur, un vieillard surfeur. Et en fait, c'est pas juste de dire je vais faire du surf ou galoper, c'est être en forme, me sentir bien, pour faire les choses comme je veux, avoir une liberté, avoir un corps musclé. Ces images-là, quoi, en fait. C'est-à-dire que je veux pas être un papy rabougri, je veux être quelqu'un en forme. Et donc, pour faire ça, en fait, je vais devoir mettre en place des choses pour y arriver. Pour mettre en place des choses qui sont comment je vis, comment je travaille, comment je gagne de l'argent. Parce que dedans, on va rajouter des éléments comme par exemple faire des aventures bikepacking, aller peut-être faire des courses à droite à gauche, avoir un van pour aller visiter des endroits, pour pouvoir aller sur des courses de vélo ou de courses à pied, passer la nuit, faire des week-ends, faire des choses comme ça. Pour imaginer beaucoup de choses. Mais pour faire ça, en fait, il faut créer le mode de vie qui va avec, qui permet de le financer, qui permet de le développer. Et là-dessus, on est tous d'accord, en fait. Et de même que pour être un homme en forme dans 10-20 ans, il faut que j'entretienne ma forme maintenant. Donc on est tous d'accord là-dessus. Et il faut que j'ai mon équipe de vie. On est tous d'accord là-dessus. Donc, à partir de là, maintenant que l'histoire est posée, le cadre est posé, on a le point A, ma vie, telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Et là, après, je peux la raconter il faut choisir un point de départ. Mais vers la destination. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de revenir, de raconter la vie globalement. Parce qu'il y a plein de choses qui s'expliquent. Moi, si je prends mon passé, quand j'étais gamin, je rêvais de faire du sport, je voulais être un champion et tout, c'était dans ma tête. Je ne l'ai pas été. Après, j'ai suivi le modèle qu'on m'a dit de suivre, faire des études. Donc, j'ai un bac plus 5, j'ai même un deuxième diplôme bac plus 5. J'ai travaillé, j'ai été presque fonctionnaire. Et en fait, j'ai coché les cases, en fait, du modèle
tel qu'il était vendu. Sauf que pour moi, il n'a pas marché. Parce que dedans, je m'y sens pas bien. Parce que travailler dans une grosse entreprise, c'est pas mon truc. Même travailler dans une petite entreprise où il y a beaucoup de gens, c'est pas mon truc. J'ai besoin d'avoir mon environnement solitaire par moment. Travailler avec les personnes que je veux au moment où je veux et pas qu'on me les impose, qu'elles sont toujours imposées. Et donc ça, c'est un mode de vie qui fait que je suis un peu... et un mode de fonctionnement, ce que j'appelle inemployable en fait. Et même par mes compétences. Si demain je dois aller postuler pour trouver un emploi, ce que j'ai essayé de faire, j'avais regardé des annonces l'an dernier quand c'était vraiment la merde, je me dis mais dans quoi je peux postuler? Parce que même être cariste, il faut un diplôme. Travailler dans certains domaines, j'ai trop de compétences. Dans d'autres, j'en ai pas assez. Ou alors j'ai pas le diplôme qu'il faut. Ou alors j'ai un bout de diplôme et j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, tout un tas d'éléments qui à un moment donné, ça colle jamais. Quoi. C'est-à-dire que le caractère inemployable, je pense, va devenir une norme d'ailleurs. Je pense qu'on va être de plus en plus de personnes à être totalement inemployables du simple fait qu'en fait, on a des carrières qui sont morcelées et que, oui, il y aura toujours des spécialistes de certains domaines, des RH, de la compta, etc. Mais que en fait, on a beaucoup de changements de vie, de virages, et que ces virages et changements de vie rendent en fait les parcours et nos aspirations beaucoup moins lisibles qu'avant, quelqu'un disait « je suis mécano » et même s'il changeait de boîte, il restait mécano, quoi. Il pouvait à la limite progresser comme étant chez les ateliers, puis un jour avoir son propre garage. Mais dans la logique, il restait quand même spécialiste de quelque chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qui change fortement. Quand j'étais étudiant, on m'avait dit oui, dans notre vie, on fera. Avant, nos parents faisaient un métier ou deux, maintenant on va en faire 4, 5, peut-être 6, je sais pas. Si je regarde le nombre de métiers que j'ai fait, je peux pas trop les compter. Mais en fait, il y a surtout un. C'est pas des changements si brutaux que ça, c'est des continuums en fait. C'est comment il y a des sortes de vagues qu'on prend et comment on passe avec des vagues d'espace en espace. Mais ça à raconter, ça devient super compliqué en fait, cette histoire-là. Et quand quelqu'un regarde mon site, quand quelqu'un regarde mon profil, ben en fait, il a un peu de mal à savoir ce que je fais exactement. Parce que moi-même, j'ai du mal à raconter exactement ce que je fais, comment je fais, pourquoi je fais ça. Par exemple, quelqu'un qui arrive sur mon site, il va voir un mec qui court, qui partage des programmes pour courir, débuter la course, courir plus vite. Il va voir aussi des programmes pour retrouver la forme, mode de vie, partie Sam. Il va voir aussi du coaching, il va voir de la préparation mentale. Il va voir des programmes pour lancer un podcast, pour faire du podcast à distance. Des programmes aussi sur la création de contenu. Comment créer du contenu, comment être un bon créateur de contenu, comment lancer, comment trouver son audience idéale, comment avoir des idées. Donc tout ça, en fait, quelqu'un va le voir, il va se dire, mais en fait, je comprends rien de ce qu'il fait. Mais c'est à moi de raconter ce que je fais. Et donc j'en viens à l'histoire de Danco et de son livre. Comment raconter tout ça? Et donc en fait, l'histoire, c'est que j'ai essayé le salariat, qui à un moment donné, j'en suis parti sur une situation qui était vraiment catastrophique. J'ai dû, en fait, prendre une décision qui était de dire comment je vais vivre, comment je vais gagner ma vie et comment, qu'est-ce que je vais créer. Donc au départ, j'ai fait du freelancing, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas trop, j'ai fait de l'enseignement qui m'a beaucoup plu, puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et donc à chaque fois, en même temps, je préparais les nouvelles vagues. Créer du contenu, j'avais un blog local, j'ai eu un blog, mon blog de mec m'a permis d'écrire pour des grandes marques, enfin, tout un tas de choses comme ça. Mais ça, en fait... C'est bien d'avoir vécu, mais le raconter, c'est encore mieux. Et c'est là que arrive l'histoire. Si quelqu'un regarde mon parcours, il va lui dire, quand je me suis retrouvé à ne plus avoir de travail, à être en dépression, sous antidépresseur, que j'ai cherché quoi faire, j'ai commencé par le freelancing, j'ai commencé par ça, ça ne m'allait pas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je préférais faire, c'est créer du contenu, que j'étais probablement assez doué dans la création de contenu, et donc que j'ai mis en place des outils pour créer du contenu. Créer plein de formes de contenu, j'ai fait du blog, etc. Mais surtout, j'ai fait du podcast. Et qu'à partir de ce moment-là, la question, ça a été de dire comment je peux vivre, en fait, de ma création de contenu. Comment vivre de ma création de contenu? Soit par le modèle publicitaire, ce qui est en partie le cas maintenant, mais aussi par le modèle vendre des formations, faire du coaching, gagner en compétences, etc. Et donc, ce chapitre, 1, comment trouver à gagner ma vie, je peux l'écrire. Je peux l'écrire dans mon histoire et je peux même faire des sous-chapitres. Et à chaque fois, je peux raconter une histoire de départ, pourquoi j'en suis arrivé là, quelles ont été les difficultés que j'ai dû surmonter, comment je les ai résolues, quels sont les bilans que j'en fais,
je peux le raconter. Et même, en fait, quand je regarde bien, à chaque fois, pour chacune de ces histoires, ce que je peux faire, c'est qu'il y a des moments, j'ai partagé ça dans des podcasts, dans des billets de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos, et puis aussi des programmes de formation. Si j'ai fait des formations sur le podcasting, c'est parce que j'avais appris suffisamment de choses sur le podcasting pour dire, vous voulez lancer un podcast, voici comment faire. Vous voulez faire des interviews, voici comment faire. Et donc ça devient logique, cette histoire devient logique. De même dans la création de contenu, pourquoi j'ai des programmes sur comment se lancer, comment devenir meilleur créateur de contenu, comment avoir des idées, comment trouver son audience idéale, la comprendre, etc. C'est totalement logique. De même que cette vie passée du salariat à l'entrepreneuriat m'a apporté des défis sur l'organisation. Comment je m'organise, comment je gère mon temps, comment mon cerveau arrive à gérer mon temps. Et bien c'est ce qui explique que j'ai une formation sur l'organisation. Et qui est super intéressante d'ailleurs pour le chapitre suivant. Le chapitre suivant c'est quoi? C'est celui du sport. Enfin plutôt celui de la remise en forme, retrouver la forme, retrouver de l'énergie. C'est comme ça qu'en fait j'ai perdu du poids et puis petit à petit j'ai repris le sport. Et en fait, là où ils sont reliés tous les deux, c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte qu'en étant plus en forme, j'étais un meilleur créateur de contenu, que j'avais plus d'enthousiasme. C'est comme ça qu'est né Sam au départ. Sam, ma philosophie, sommeil, alimentation, mouvement, est né d'un partage, d'une volonté de partager pour des créateurs de contenu, donc dans ma niche création de contenu, comment être en forme au quotidien. Seulement, Sam s'applique à plein de choses, et je l'applique à plein de choses. Et je l'applique aussi notamment pour un autre chapitre, qui serait celui de la course à pied, par exemple. Et donc, dans la course à pied, pareil. Une histoire, j'ai commencé à vouloir courir pour perdre du poids, et puis je me suis pris au jeu, j'ai fait ma première course, c'est sympa, puis un jour je me lance dans le défi de courir un marathon, et là c'est pouf, comment je fais ça, est-ce que je vais y arriver, je me blesse, donc péripétie, et je termine là-dessus par je réussis, et je réussis, j'apprends des choses, j'ai découvert plein de choses que je peux partager, que j'ai partagé par le biais des podcasts, que j'ai partagé, que je peux partager par plein d'autres manières. Et en fait, c'est ainsi de suite, tous les chapitres. Parce qu'une fois que j'ai fait de la course, donc après on pourra rajouter l'étape du 24 heures, mais derrière, j'en ai d'autres étapes. J'ai aussi le jour où, ben en fait, je décide de faire du vélo. Et donc c'est un autre chapitre, avec le gravel, le gravelman, etc. Et puis, il y avait un sous-chapitre aussi qui était un petit peu lié à celui de la course. C'était comment je suis passé de quelqu'un qui n'a pas du tout confiance dans ses capacités à quelqu'un qui est sûr qu'il va réussir son défi gravel, alors qu'il n'a pas roulé en vélo. Mais qui sent qu'il va y arriver. Pourquoi? Parce que il y a des choses que j'ai apprises dans le chapitre précédent sur la course, mais aussi des choses que j'ai apprises dans ma formation préparation mentale, dans ce que j'ai creusé en préparation mentale, dans les livres que j'ai lus, dans tout ce que je fais autour de la préparation mentale, dans tout ce que j'ai appliqué pour moi, ce que j'ai vécu. Donc le chapitre confiance, prendre confiance pour devenir champion du monde de mon monde, est un chapitre à part entière. Un vrai chapitre avec une histoire, des difficultés, un dénouement, des bilans. Et des programmes qui vont avec. Et en fait, je peux tout raconter comme ça. Je peux tout enchaîner les uns les autres. L'an dernier, mon gros coup de mou, ma grosse fatigue, le fait d'enchaîner deux sports, de vouloir être absolument obstiné sur des choses. Ben ça aussi, c'est une histoire que je peux raconter. Avec, là encore, l'histoire, les péripéties, ce que j'ai appris. J'en ai fait des vidéos, j'ai fait un épisode de podcast sur ma grosse fatigue, la blessure, comment gérer la blessure, des choses comme ça, je pourrais faire autour de ça. J'ai fait des épisodes sur la douleur, mais je pourrais. Comment garder la confiance, comment garder la foi, comment avoir des mantras, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et puis, qui m'amène à un nouveau chapitre aujourd'hui, qui est bah, comment, après un gros crash comme ça, on retrouve la forme. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai un podcast qui s'appelle Retrouve la forme, désormais. Et puis, comment on revient, on se remet sur ses pieds. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le challenge Samy que je lance aujourd'hui, est exactement sur cette thématique. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience de ça, il y a un moment donné, je me suis dit, bon Sam, c'est bien beau, mais il y a un moment donné, Sam, tu l'as craché quoi. Tu t'es planté avec ton Sam, non pas sur la philosophie elle-même, mais sur l'application de la philosophie, sur ce que tu en fais, sur comment tu l'appliques, et comment tu la mets en œuvre, et comment, en voulant absolument devenir champion du monde de ton monde, tu as déséquilibré ton Sam. Et donc j'en ai fait des bilans en podcast, une vidéo pour une formation, dans laquelle j'expliquais comment je courais tous les jours et comment, c'est pas courir tous les jours qui m'a blessé, mais c'est comment ce que j'ai fait autour m'a amené au crash. Et en fait, c'est ce chapitre-là de
j'ai compris comment je m'étais crashé, devient un autre chapitre dans lequel il y a un bilan. Et donc, il me reste plein de chapitres à écrire. Parce que les autres chapitres à écrire, c'est ben, comment développer le podcasting, comment développer d'autres activités, comment faire développer mes activités de coaching et tout. Et là où j'ai du mal à raconter avant le truc, c'est que maintenant, ça devient extrêmement logique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sujets m'intéressent et sur tous les sujets, j'ai des réponses à apporter parce qu'à chaque fois, j'ai vécu quelque chose. Je me suis documenté, je me suis formé. J'ai suivi une formation en nutrition, une formation préparation mentale, une autre formation préparation mentale actuellement. Je voudrais me former sur la remise en forme. Là, c'est le gros projet. J'aimerais pouvoir financer ça sur septembre. Avoir vraiment une grosse formation sur la remise en forme, la musculation, la recomposition corporelle. Parce que ça correspond à mon image de l'homme musclé que je veux être. Et puis, il va y avoir aussi des choses sur comment déconnecter encore plus mon temps de travail de mes revenus. Comment avoir plus de revenus, comment gagner en confiance sur ce que je fais, comment développer aussi des nouvelles formes de contenu, de nouveaux projets, comment essayer d'écrire un livre par exemple, comment essayer de créer de nouvelles formations, des nouveaux programmes, des nouvelles choses. Et donc en fait, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est déjà, j'ai fait une carte, j'ai fait un schéma dans lequel je peux raconter toutes ces histoires, tout ce que je viens de vous raconter, je peux faire un dessin, un parcours et raconter de pourquoi finalement chaque éléments qu'on trouve dans mes contenus, dans ce que j'ai raconté, dans mes programmes, pourquoi en fait c'est logique, pourquoi ils sont présents et pourquoi je n'ai pas une niche où je ne parle que de course à pied. Parce qu'en fait, je parle d'autres choses autour et que ces autres choses, ça vient nourrir. Je peux courir parce que je suis organisé, je peux courir parce que j'ai des habitudes. Je peux créer du contenu parce que j'ai des habitudes. Je crée du meilleur contenu parce que je vis tout ce que je vis. Et tout ça se nourrit l'un l'autre. Et donc, quand quelqu'un me pose la question, mais tu fais quoi finalement ? Eh bien, c'est de dire, j'essaye de vivre la vie que je veux vraiment vivre et j'essaye de la créer telle que je veux la vivre et non pas telle qu'elle a imposée. Et donc, je tente plein de choses, je crée plein de choses, j'imagine plein de choses, je mets en place plein de choses pour le faire. Et si tu as envie d'avoir la même vision, la même chose, eh bien, je te donne ce que j'ai appris, je te partage aussi mes outils, je te partage mes méthodes, je t'accompagne pour le faire, je te coach pour le faire, plus ou moins intensément, mais je t'accompagne sur un chemin de ce parcours-là. C'est pour ça que j'avais dit que je voulais lancer un projet 24 pour dire quelqu'un qui veut vivre du podcast, il ne va pas le faire en quelques jours. Par contre, on peut le faire sur un projet 24, un gros projet sur lequel, en fait, pendant 24 mois, eh ben, on va mettre en place tous les éléments. Et tous les éléments, je dis vraiment tous les éléments, c'est de quoi il va parler, comment il va en parler, comment il va être en forme, comment il va s'organiser, comment il va avoir des habitudes, comment il va gérer sa vie perso, sa vie familiale, comment tout ça va s'organiser, comment il va rêver du futur, comment il va imaginer son audience. Exactement tout ce que je viens de vous raconter. Tout va s'imbriquer, peut s'imbriquer dans cette seule histoire de quelle est mon histoire et comment tout ça fonctionne et pourquoi j'ai fait tout ça. Donc ça m'a beaucoup libéré l'esprit. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait trop d'épisodes ces derniers temps, parce que j'ai besoin d'avoir un esprit un peu plus libre, un peu plus libéré, réfléchir à d'autres choses, être moins dans la roue d'hamster, justement sortir de ce rythme là parce que il y a aussi j'ai rajouté un épisode sur Kilomètre 42 parce que y a plein de choses. Et en fait, ce qui est vraiment pour moi le plus important, ce que je voulais vous transmettre, c'est que des fois, on cherche absolument à se dire, il faut que je sois, parle de ça, que je parle de ça, que je parle de ça. Que je sois dans cette niche, dans cette niche, dans cette niche. Et on n'y arrive pas, en fait. Et la plupart des créateurs, des gens qui veulent devenir créateurs de contenu, ils s'en sont bloqués à cette étape-là. Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et souvent, en fait, on cherche une idée géniale. On cherche un truc incroyable. J'ai vu des personnes en coaching, ils savent faire plein de trucs. Quand elles me racontent, je me dis, mais t'as essayé ça? Ça me paraît tellement un truc à essayer. Je te dis pas que ça a marché. Mais là, tu as un truc à jouer. Là aussi, tu as un truc à jouer. Là, par contre, c'est plus compliqué. Là, tu peux essayer ça. Et en fait, pour nous, on manque de ce recul-là parce qu'on est trop dedans, parce qu'on connaît trop notre histoire, parce qu'on connaît trop aussi les facettes cachées. Les trucs, on sait que il y a des moments, ça a merdé, que ça s'est pas passé comme on voulait, qu'on n'a pas fait les choses comme on espérait que ça se passe. Mais en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte qu'une blessure, par exemple, est un apprentissage.
ma blessure sur mon marathon, quand je préparais mon premier marathon, m'a permis d'apprendre tellement de choses, de créer tellement de contenu, d'être tellement la personne que je suis. Et il n'y a pas longtemps, je vais finir là-dessus, donc j'ai fait une séance en préparation mentale, en dépolarisation, qui est la formation que je suis, et j'ai du coaching qui va avec. Et en fait, on s'est dépolarisé sur la personne qui m'a harcelé au boulot, qui m'a amené à 5 mois d'arrêt maladie, qui m'a amené à prendre des antidépresseurs, qui m'a brisé ma confiance et tout. Et en fait, me rendre compte qu'il y a des traits chez lui que je détestais, et que je vais pas dire que je l'aime, hein, mais que la construction de ma vie, mes idées, mon envie de travailler de telle ou telle manière, ce que je vis maintenant et pourquoi je suis heureux de le vivre et de le partager de cette manière-là, et ben c'est aussi parce que j'ai vécu ça et parce que aussi j'ai surmonté, que j'ai réussi à remonter la pente après ce genre d'événement-là. Et que ben, tout ça aussi peut se raconter. Peut-être pas en faire une formation, peut-être pas un programme, mais qu'en tout cas ça nourrit des expériences autour du coaching, autour du partage, autour de ce que je fais, de ce que je sais faire, de ce que je peux partager avec des personnes. De même qu'on pourrait estimer que le fait de m'être blessé me posait problème. Mais le fait de m'être blessé, en fait, quand j'analyse ma blessure, je sais à quel point elle va m'enrichir et à quel point elle me nourrit déjà de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouveaux partages et de nouvelles choses que je suis allé creuser. De même que, je l'ai dit sur le marathon, de même que tous les échecs que j'ai eus dans l'entrepreneuriat, des projets qui ne sont pas faits, des ventes que je n'arrivais pas à faire, de la démarche d'esprit, l'état d'esprit que je dois avoir pour mieux avancer là-dessus, permettent de nourrir effectivement mes contenus, mes créations, mes partages, ce que je peux raconter et comment je peux le partager et comment je peux le partager à plus de gens. Et pour terminer là-dessus, hier j'ai fait un truc, vous allez voir, sur mon compte Instagram, il s'appelait Bertrand Soulier, il s'appelle toujours Bertrand Soulier, mais derrière j'ai mis une petite phrase qui disait « le mec qui t'aide à courir ». Et en fait, cette phrase, je l'ai enlevée. Ouais, je l'ai enlevée. Parce que dans ma bio, je ne sais toujours pas quoi mettre, trop mettre, effectivement. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je ne suis pas là juste pour aider les gens à courir. Parce que courir pour courir, en soi, il y a des gens, ils n'ont pas envie de courir. Et je ne veux pas aider les gens à courir, en fait. Je veux aider les gens à construire leur vie, à construire une vie telle qu'ils ont envie de la vivre, et vivre les expériences qu'ils ont envie de vivre, en étant champion du monde de leur monde. C'est-à-dire en faisant des choses qu'ils se pensent peut-être pas capables de faire, qu'ils ont rêvé de faire, qu'ils n'ont pas pu faire dans leur enfance peut-être, et qu'un jour ils redécouvrent qu'ils peuvent le faire, et qu'ils mettent en place les éléments pour le faire eux-mêmes. Certains c'est dans le sport, certains sera dans l'entrepreneuriat, d'autres dans la création de contenu. Mais en tout cas, ça s'entend, je veux dire, par rapport à tout ce que j'ai fait. Et je peux m'autoriser sur mon compte Bertrand Soulier, qui parle beaucoup de sport, de running, à parler aussi de mental, pour le sport, mais pour l'entrepreneuriat, à parler aussi de ce podcast, ce que je fais jamais, à parler de mes erreurs, de mes échecs, de ce que je fais dans la perte de poids, dans la remise en forme, dans mes apprentissages et dans tout ce que je fais. Parce qu'en fait, tout est relié et c'est le même livre. Et donc finalement, ma niche, bah, c'est mon histoire, c'est moi, c'est mon livre. Et c'est ce que je voulais vous raconter. Et j'espère qu'en tout cas, ce partage vous aidera aussi, vous aussi, à peut-être voir, peut-être écrire un peu différemment l'histoire telle que vous avez envie de la raconter, de la partager, et ce que vous avez envie de créer autour, et que ça va un petit peu débrider, parce que finalement, j'ai appris un truc en dépolarisation, c'est que on n'a pas à avoir peur de le faire. Ça marche pas, les gens lisent pas, ça change pas la vie, ça change pas le vécu, ça change pas du tout ce qu'on a fait. C'est juste une expérience, et voilà. Sur ce, je vous souhaite tous une très très belle journée. Je vous mets un lien dans la description de l'épisode vers mon nouveau programme, là, Challenge Semi, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Oh, je vous mets un coupon de réduction aussi au passage. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, bon week-end, si vous écoutez ce podcast ce vendredi. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques, vos réactions. Ciao mes champions et mes champions.